Pour les aficionados du théâtre Indo-Pacifique, vous n'avez sans doute pas manqué l'exercice biannuel RIMPAC pour RIM of the Pacific édition 2024, avec la participation d'un navire de premier rang de la Marine nationale, en l'occurrence la FREM, frégate multimission Bretagne. Cette semaine, chez Defense Insider, nous avons choisi de vous éclairer sur cette évolution de la présence navale française en région Indo-Pacifique. Le format français. La présence navale de la France dans l'océan Pacifique fut toujours en demi-teinte, présente depuis le début de sa souveraineté sur les archipels, mais tout en étant soumise à l'éloignement géographique, l'empêchant d'étoffer ses capacités. Nous nous pencherons bien sûr plutôt sur le volet purement naval de la question. Le défi repose d'une part sur le contrôle de l'immense zone économique exclusive offerte grâce à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux nombreuses îles polynésiennes. La BIT des Françaises et les programmes lancés par la Marine nationale se sont avérés pertinents et rapides dans leur exécution concernant le remplacement des bâtiments de faible tonnage comme les patrouilleurs P400. L'arrivée des BSAOM, bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer, classe d'entrecasteaux, et désormais les récents POM, pour patrouilleurs d'outre-mer, classe Benebig. Ces derniers permettent une rapidité d'action et une polyvalence dans le spectre des missions. Principalement orientés vers l'action de l'État en mer, leur endurance leur permet aussi d'allonger leur capacité de visite de nations plus distantes et ainsi servir de diplomatie du quotidien avec un faible impact dans le champ des perceptions de la population locale. Pour résumer, des petits bâtiments en escale permettent de construire des coopérations au bon niveau et sans arriver avec une image produite en désaccord avec la volonté politique de la mission. Ce tableau cache le handicap des missions plus hautes dans le spectre nécessitant des navires plus lourds et mieux armés. En l'occurrence, l'amiral commandant la zone maritime du Pacifique, aussi appelé Alpacy, dispose de deux frégates classe floréale, le Vendémiaire basé à Nouméa et le Prairial basé à Papété. Admettre l'appellation de frégate pour ces navires reste une posture intellectuelle très discutable au vu de leurs capacités de détection, de lutte anti et anti-sous-marine. Elles sont néanmoins extrêmement endurantes, ont un coût d'exploitation limité et un entretien aisé. Leur conception a dû aussi prendre en compte l'intégralité de la zone géographique où elle devait opérer, à savoir de l'Antarctique au Japon. Les deux Floréales sont en conséquence les bâtiments les mieux armés de la marine depuis plusieurs décennies à rester stationnés dans cette zone et ont donc participé à tous les grands exercices régionaux. Pour ce qui est du mythique RIMPAC rassemblant la fine fleur de l'US Navy, de la marine japonaise et de toutes les autres nations voulant démontrer leur capacité de combat en haute mer, la France faisait grise mine lors de ces rassemblements en dépêchant une frégate de surveillance et parfois en étant totalement absente de l'exercice. Certains me répondront que le but de ces coques n'est pas le combat de haute intensité. Et vous auriez raison. Néanmoins, on ne peut avoir le discours volontariste et parfois mal compris de la France dans le Pacifique, tout en ayant comme argument naval une flotte de patrouilleurs et de corvettes sous-armées. Cela tombe bien, la marine a décidé de muscler son jeu dans la région. La Frême-Bretagne. Elle est la cinquième de la série des frégates à dominante anti-sous-marine destinée à la marine nationale et une série complète de 8 bâtiments. D'une longueur de 142 mètres pour un déplacement de 6000 tonnes, son design général est l'héritage du retour d'expérience des classes précédentes, notamment au niveau de la furtivité, qu'elle soit électromagnétique ou thermique. Ces systèmes d'armes sont aussi l'aboutissement du saut générationnel vis-à-vis -vis des anciennes F-70. Sa configuration propulsive rejoint ainsi un sien classique pour des navires récents, à savoir une autonomie électrique grâce à ses 4 moteurs diesel et deux lignes d'arbre associées à une turbine à gaz General Electric LM2500 et de deux diesel MTU de 2,2 MW chacun. La vitesse maximale atteinte est importante mais dans la norme pour une frégate ASM moderne dont l'objectif est de pouvoir chasser un sous-marin par des bons au plus proche d'une trentaine de nœuds. Sa vitesse de croisière est donnée pour 15 nœuds et ce avec une autonomie de 6000 nautiques, soit environ 11 000 km. Pour mieux se représenter cela pourrait se traduire par un transit entre la base de Pearl Harbor et Taïwan de 13 jours. 13 jours sans prendre en compte le temps pour les rames, pour ravitaillement à la mer ou une météo défavorable. Certains diront que c'est un temps beaucoup trop long. Pour comparaison, un sous-marin nucléaire d'attaque, la Virginia, qui ne souffre pas des mêmes restrictions, effectuerait le même transit en 9 jours. Cela nous permet de relativiser sur cette région et la célérité d'une implication de la France dans une crise régionale. Car la frégate Bretagne n'est pas, comme vous vous en doutez, affectée dans le Pacifique. Son principal moyen de veille air-surface est son radar Héraclès permettant une bulle de surveillance aérienne d'environ 250 km et une détection des buts surface autour de 80 km. L'armement mis en œuvre autour de ce capteur est le désormais éprouvé au combat Aster 1530, une faiblesse pour un bâtiment de son rang et le nombre limité de cellules à lancement vertical Silver A70 au nombre de 16, un nombre bien inférieur à ses rivales chinoises qu'elle viendrait à croiser. Ces cellules peuvent aussi accueillir le missile de croisière navale, système prenant tout son sens dans le cadre d'un engagement à distance de sécurité, dans un environnement de déni d'accès dense comme la zone ouest-pacifique. On y ajoutera 8 missiles antinavires Mer-Mer 40 Exocet Block 3, portant jusqu'à 180 km et restant un des plus efficaces dans la catégorie subsonique. Côté anti-sous-marin, la Bretagne bénéficie de la suite sonar la plus aboutie du monde qui, couplée au niveau de notre nation dans le domaine, crée l'un des meilleurs chasseurs de submersibles de sa génération. Le mariage entre le sonar de coq 4110 et son sonar remorqué Captas 4 permet d'effectuer des chasses à des vitesses plus élevées qu'avant car limitées par la traction exercée par le VTS pour Variable Depth Sonar, ainsi que par des états de mer plus dégradés. En l'occurrence mer 6, soit 4 à 6 mètres de creux, donnés par l'industriel. Enfin, en cas d'engagement, elle pourra user de ses deux lanceurs doubles pour torpille MU90. Nous n'aborderons pas ici techniquement son aéronef embarqué, le Cayman Marine, qui mériterait une vidéo pour lui seul et qui, au-delà de ses déboires de disponibilité, est une formidable machine ASW pour anti-submarine warfare. Dans la plus pure tradition française, ce navire est aussi largement doté en système de leurrage et conserve une artillerie elle aussi combat proven, notamment lors des récentes opérations Mer Rouge avec un canon automélara de 76 mm et trois tourelles téléopérées de 20 mm. Pourquoi renforcer la posture pacifique Nul besoin de se cacher derrière trop de nuances sur l'enjeu de l'océan Pacifique, comment se positionner dans le duel sino-américain quel que soit l'avis sur la question, rester en dehors ou être partie prenante, nous devons renforcer notre posture militaire et donc navale dans nos territoires ultramarins. En conséquence et par quelles mesures proactives doit se passer ce renforcement la solution actuellement privilégiée est l'établissement de missions au long cours vers l'océan Pacifique en pratiquant une relève d'équipage lors de l'escale la plus éloignée. Cela permet de conserver un potentiel humain élevé avec une présence sur zone excédant le semestre. Néanmoins, l'impact sur les autres opérations est important et nécessite un entretien plus poussé des navires, que cela soit en phase de préparation de la mission ou en phase de restauration des capacités après le déploiement. La marine nationale est donc limitée dans le volume des forces. En l'état, un seul navire de surface ou sous-marin est dans le choix de le Objectif. On peut soit faire la tournée des ports et se focaliser sur les coopérations avec des exercices multilatéraux comme RIMPAC ou se concentrer sur de la préparation aux futures opérations dans la région. N'étant pas un acteur majeur, la présence se doit de rester discrète mais tout en restant crédible d'où le choix d'unités prestigieuses. Le choix ultime serait de baser par exemple une frégate type Frem de manière permanente. Une idée qui peut paraître séduisante, mais qui est en l'état irréalisable, et voici pourquoi. Tout d'abord, le dimensionnement de la force d'action navale est lié au contrat opérationnel défini par le niveau politique. Modifier ce format signifie modifier des planifications industrielles et financières qui sont des engagements sur plusieurs décennies. On ajoutera que cela impliquera la construction d'une nouvelle unité et donc du recrutement associé. Le marin français de 2024 étant un technicien intégrant une spécialité, la constitution complète d'un équipage ex nihilo écraserait la marge de manœuvre RH des unités préexistantes. Enfin, les moyens disponibles en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti ne permettent pas encore d'entretenir des navires d'une classe équivalente et d'entraîner les équipages. Nous pensons notamment à la présence de bassins et de chaînes logistiques pour certains équipements capitaux dont l'entretien est assuré par des industriels de pointe qui devraient eux aussi déménager une partie de leur activité à l'autre bout du globe. Nous ne traiterons même pas ici des répercussions de politique intérieure dans ces territoires à forte identité et dans une période où le degré d'autonomie des populations locales est un débat politique constant. Pour conclure, cette mission de la frégate Bretagne en océan Pacifique peut légitimement rendre fiers nos concitoyens dans le sens où elle démontre une volonté politique et une capacité de notre marine à être présente dans le théâtre le plus éloigné de la métropole et avec des matériels de haute qualité. Néanmoins, elle met en lumière la faiblesse des moyens permanents déployés alors que le discours ambiant tend à décrire cette région comme le futur de la géopolitique mondiale. La France est donc encore prise dans le marteau de ses moyens. Et l'enclume de ces ambitions, qui devront trouver un consensus passant sûrement sur le sacrifice ou la diminution de notre présence dans d'autres endroits du globe. Et vous, quelles sont les solutions que vous proposeriez pour ne pas être à la traîne face à la possible dégradation du climat sécuritaire en zone ouest pacifique Dites-nous en commentaire pour enrichir la réflexion de notre fidèle communauté. Merci de votre visionnage, bonne rentrée, et on vous retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2024, vous êtes plus de 88,2% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine